مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سورة البقرة. الله كيف قال دي؟ Si Allah n'a pas fait que les uns s'opposent aux autres, la terre serait pervertie. Je vois ton injustice, Valls. Je vois ton injustice, Hollande. Je ne dis pas qu'il faut brûler. Je ne dis pas qu'il faut casser. Nous, en tant que musulmans, c'est pour ça qu'on dit que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo n'est pas faisable, islamiquement parlant. Mais quand je m'exprime et que je dis, vous provoquez les musulmans, et qu'attention, il pourrait y avoir un retour, ne le faites pas. Respectez-nous. Lisez un post que j'ai mis sur Facebook, ça fait 2-3 jours de ça. Même un des dessinateurs, je ne citerai pas son nom, était conscient qu'ils ont dépassé la ligne rouge. Et un des anciens fondateurs de Charlie Hebdo l'avait dit lui-même. Il avait dit, j'ai dit à Charles, il ne faut pas le faire ce que vous faites contre les musulmans. Et hier matin, avant que je prenne, non pas hier matin, j'étais hier matin ou plutôt avant-hier, quand on a fait ce qu'on a fait en Belgique, et que commence à en parler, qu'est-ce qui commence à se dire aujourd'hui? Il y a beaucoup de morts dans les pays musulmans. Ils commencent à dire qu'il ne fallait pas qu'on mette l'huile sur le feu. Il ne fallait pas le faire. Les gens les plus raisonnables disent qu'il ne faut pas faire ça. C'est de la provocation. Mais nous, en tant que courageux, c'est qu'on doit se dire, non, on le condamne. Mais beaucoup de nos pseudo-responsables, oui, mais ça ne se fait pas avec son accent tordu du bled. En même temps, tu mets d'accord, et Yahri, d'accord. On n'est pas d'accord. Mais dis-leur qu'il faut arrêter de provoquer les musulmans. Dis-leur que Dieu donnait quand il a critiqué les juifs. Il y en avait de toutes les couleurs. Dis-leur pourquoi le musulman doit se taire et que le juif doit défendre son droit. Pour quelle raison? Sois courageux. Le pseudo-recteur que tu es, à qui tu veux cirer les pompes? Tu veux cirer à qui? Et que tu veux que mes enfants, je dis comme ça, comme toi, asservi à cette société. Va leur apprendre que la crainte d'Allah en premier lieu. Mais je m'opposerai à ton injustice socialement parlant. Tu me trouveras en face de toi, avec mes paroles, avec mon instruction, avec mon éducation, avec tous les moyens légaux que je peux utiliser. Mais c'est comme ça. Et que je vais véhiculer ceci à la future génération pour qu'ils ne soient pas comme les singes qu'on vient de voir dans l'expérience maintenant. C'est ça l'éducation. Et je suis convaincu, ce n'est pas dans l'école républicaine en France qu'on va le faire. Et moi j'appelle mes frères et mes sœurs, faites des écoles, faites un effort parce que c'est le pouvoir de l'éducation qui va donner cette place-là. Alors je finis, je voulais montrer hier à la mosquée, mais j'aimerais finir aussi en même temps. Et il avait souligné Abdelrahman, je le rappelle, je prends le cas de en train de lire le poste à la télécom, le dessinateur ciné, vous savez qu'il a été licencié par Charlie Hebdo parce qu'il a fait un dessin qui a été retenu en tant que dessin antisémite. D'accord. Quand on dessine contre les juifs, c'est antisémite. Mais quand on dessine contre les musulmans, avec leur sacré, c'est leur raison de vivre. Ce n'est pas la tienne peut-être. Mais c'est ma raison de vivre cette foi. Donc avec moi, c'est une liberté d'expression. Alors qu'en France, on sait très bien qu'il y a une liberté, mais qui est toujours cadrée par des lois, et qu'avec les musulmans, il n'y a aucune limite rouge. Pourquoi? Et que si les musulmans se lèvent, moi j'étais contre le fait qu'on sorte de Je suis Charlie. Contre, parce que c'est très grave. Tu ne peux pas, et je rends hommage
à ce ministre marocain, ils ne sont pas tous mauvais, ce ne sont pas tous défendus. Hein. Ce ministre marocain qui est venu en France et qui leur a dit, moi je peux faire la marche, mais je ne marcherai pas à côté des caricatures de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de le dessiner, c'est du kufr. Et toi, tu marches avec. Voilà quand on n'est pas éduqué. Tu marches avec ceux qui disent, je suis Charlie. Non, je ne suis pas Charlie. Je condamne ce qu'ils ont fait. Je parle de Charlie Hebdo. En même temps, je condamne ce qu'ils ont fait, mes frères. Ça reste mes frères, je condamne. Je ne suis pas d'accord. Mais ce que Charlie a fait est condamnable. Et que je ne marcherai pas avec toi, côte à côte, quand tu vas lever un dessin qui blasphème mon prophète, alayhi salatu wassalam, je ne l'accepte pas. C'est ma raison de vivre. Quand l'Occident vit au-dessus du tiers-monde avec la richesse qu'ils ont, avec les moyens financiers qu'ils ont, dans des pays musulmans, ils mangent le matin ou ils mangent le soir, dans la journée une seule fois. Mais ce qui les fait vivre, c'est leur foi. Ce qui les fait vivre, c'est mon sacré. C'est que je vais mourir et je vais rencontrer mon prophète bien-aimé, Ali Sallam, au paradis. Vous ne l'insultez pas. يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى Je l'aime cet homme. Je vais te ressusciter avec lui. Comment tu peux venir le blasphémer au nom de ta liberté à toi? Mais respecte ma liberté de conscience qui te dit, n'insulte pas mon sacré. N'insulte pas ma raison de vivre sur cette terre. On parle des droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Je le dis très sincèrement. Il y a des ennemis des musulmans de l'islam en Occident aujourd'hui. Mais il n'y a pas que eux. Il y a des justes avec qui on doit travailler. Il y a des justes. Rappelez-vous, Najash était un chrétien. Quand le prophète l'a envoyé les compagnons vers l'Habasha, en leur disant, là-bas, il y a un roi chrétien, auprès de qui personne n'est traité injustement. Ce sont des gens comme ça avec qui il faut travailler. Mais par contre, l'injustice, je me mets en face. Et j'éduque mon fils, j'éduque la prochaine génération à se mettre en face de l'injustice pour qu'on nous respecte. Si les juifs ont réussi à se faire respecter, quelle liberté. Aujourd'hui, qui peut nier le génocide des juifs? Qui peut le nier? Si tu le nies, tu es condamné. Allez dire aux historiens s'ils peuvent remettre en cause le chiffre des 6 millions de juifs massacrés. Allez leur dire s'ils peuvent le faire ou pas. Quand Dieudonné fait un sketch contre eux, je ne suis pas en train de justifier ce que Dieudonné fait. Non, je ne me moque pas. Parce que par ordre d'Allah, Allah me dit « Wala tel mizu anfusakum wala » ne vous moquez pas. Qu'un peuple ne se moque pas d'un peuple. Que des femmes ne se moquent pas de femmes. Sourate Al-Hudurat. Allah par ordre. Je ne peux pas. Mais quand vous avez votre façon géométriquement variable, là oui, je vais me dire, je suis contre. دنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة